Dans cette première configuration, j'ai gardé le micro sur l'entrée 1, le micro voix que je tiens devant moi, que vous voyez. Et sur le micro 2, l'entrée 2, j'ai décidé de mettre le micro Audio-Technica, le deuxième, ici sur l'entrée 2. Donc là, actuellement, je n'ai que, a priori, le son d'anglais. Deux joueurs, vraiment là, ligne contre ligne, forcément, il y a un décalage. Il n'y a que de solution pour respirer. Voilà, alors maintenant, je vais mixer les deux micros. Voilà, alors là j'ai à la fois la voix et le son d'ambiance. Voilà, donc on entend effectivement les deux. Alors si à l'aide de cette mixette je ne veux garder que la voix, je vais donc éteindre le micro 2 qui est en train de capter le son du match. Voilà, alors donc là j'ai éteint le micro 2. Et donc dans le micro 1 qui est dirigé vers moi, qui est un micro directionnel aussi, je n'ai que la voix. Donc maintenant je vais éteindre, éteindre l'entrée 1, la voix, voilà, je baisse la voix. Là maintenant je vais monter le micro 2, le micro d'ambiance. On le répète, voilà, je parle toujours dans le micro 1, mais il n'y a plus rien. Hein. Belle unité, cette équipe d'Irlande, qui sous le même maillot, eh bien, regroupe les joueurs de l'Irlande. Donc là, je vais mélanger maintenant les deux micros. Je vais mixer les deux micros comme je veux, c'est-à-dire pour avoir, ça dépend de l'émission que je veux faire, pour avoir à la fois les deux entrées. Voilà, donc je peux régler le volume du micro-voix sur la mixette. Voilà, je règle le volume du micro-voix sur la mixette. Et donc, voilà. Et je règle l'entrée du micro 2, le micro ambiant, sur l'entrée 2. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais basculer le bouton mono stéréo sur la mixette. Je vais le mettre en mono. Voilà, donc en mono, j'ai les deux voix identiques. Et alors là, même si je monte une des voix, j'aurai les deux voix identiques, je n'aurai plus en stéréo, ce sera un double audio. Voilà, là ici, je suis en double audio. Et donc je peux mettre évidemment plus de son pour la voix. Ou plus de son pour le micro d'ambiance. Mais je ne peux plus séparer les deux. Alors je me remets en stéréo sur la mixette. Voilà, stéréo. Et donc là, j'ai le micro d'ambiance éteint. Donc là, si je monte le micro d'ambiance, je vois que j'aurai cette ambiance à volonté. Là, pas d'ambiance. Et là, une ambiance. Là, pas d'ambiance. Et là, une ambiance. Là, pas de voix. Et là, une voix. Là, pas de voix. Et là, une voix. Voilà.